De retour sur TF1 pour la suite de la chanson secrète. La soirée nous réserve encore beaucoup de surprises. Les artistes qui vont prendre place dans notre fauteuil blanc vont vivre des moments et des instants, on l'espère, mémorables. Il y a des proches, il y a des amis artistes qui ont préparé des performances musicales du sur-mesure qui vont forcément les toucher. Et c'est le moment de découvrir une nouvelle chanson secrète. Elle s'affiche juste là. Vous les avez reconnus ? Benabar, Renan Luce vont chanter pour Isabelle Nanty. La comédienne va venir s'asseoir dans un instant dans ce fauteuil blanc. C'est une admiratrice sans faille de Renan Luce. C'est une amie intime de Benabar. Pour l'instant, elle ne sert à rien. Nous l'avons isolée quelque part. Aucun son, aucune image ne lui parvient. Elle ne sait rien de ce qu'il attend. La surprise, l'émotion seront peut-être au rendez-vous. Benabar et Renan Luce ont choisi de lui chanter l'effet papillon. Il nous explique pourquoi et puis ce sera le moment du face-à-face sur scène dans un instant. J'ai chaud et je me sens comme avant un rendez-vous. On ne sait pas comment ça va se passer. On est là ce soir, je me permets de parler au nom de mes camarades, par amour sincère et définitif pour Isabelle Nanty. Nous allons chanter l'effet papillon d'un artiste qui s'appelle Benabar, qu'on aime bien tous les deux. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Isabelle a eu un effet papillon sur ma carrière, réellement. Elle a été à l'origine de plein de choses pour moi et elle compte humainement et aussi professionnellement, indiscutablement. Il faut savoir que Isabelle Nanty a propulsé énormément d'artistes dans leur carrière, au cinéma, au théâtre. Alors ce soir, Benabar et Renan Luce seront sur la scène, mais ils n'étaient pas les seuls à vouloir dire merci à Isabelle. Donc la surprise supplémentaire, c'est que plein d'artistes qui sont proches d'elle seront dans les écrans pour lui faire un petit clin d'œil. Ce qui est sûr, c'est qu'Isabelle, c'est quelqu'un qui fédère. Donc son caractère fait que petit à petit, tous les gens qu'elle a influencés, qu'elle a soutenus, restent à vie attachés à elle. Elle a ce don-là aussi, elle est très 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 attachante. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait toute une foule de gens qui lui disent son admiration. Le papillon s'envole. Je ne lis pas mon horoscope, je ne vais pas chez des voyantes. Je détesterais savoir ce qui va m'arriver. Donc, en fait, j'adore ne pas savoir. Une surprise. Ça y est, Isabelle Nanty se dirige vers la scène. Elle n'est pas très loin. Vous venez de découvrir en détail la surprise qui l'attend. Isabelle, il faut bien le dire, n'a pas la moindre idée de ce qui va lui arriver. On m'informe qu'elle est juste à quelques mètres de nous. Voici Isabelle Nanty. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors, je vous pose la question rituelle. Vous levez la main droite et vous dites, je le jure, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe ? Vous ne savez rien, on est d'accord ? Non, je ne sais pas. J'ai hâte. C'est un cadeau. Quand vous êtes sur une chaise, en général, c'est quand vous êtes au théâtre et que vous faites de la mise en scène. Oui. Ou quand vous êtes chez vous, vous regardez des émissions de télé. Voilà, je vous regarde. Par exemple. Par exemple. Mais là, ce sont les gens qui vous regardent. Ah ouais. Et pas seulement. Mais il y a aussi quelqu'un. Ah. Peut-être même plusieurs personnes. Ah. Des chanteurs, des chanteuses. Des gens très gentils qui se sont déplacés exprès. Ah, vous pensez à ça ? Oh bah oui, je suis très gênée. Vraiment ? Oh bah oui, je suis un peu paralysée parce que j'ai tellement peur. Alors vous savez quoi ? Je vais vous accompagner dans votre fauteuil blanc pour vous déstresser un petit peu. Venez avec moi. Isabelle Nanty, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous. Ça fait pas mal, laissez-vous aller. Vivez l'instant. Allez. Vous connaissez ça, vous, l'actrice. Vivre l'instant. Waouh. On est bien ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est votre chanson secrète. C'est ma chanson secrète. Ça fait très peur. Oh là 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 là. C'est mieux que le dentiste, normalement, mais... Ça fait pas mal. Comment on sait quand ça commence ? Ah, on sait pas. Ouh.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégât immense. On l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos. Un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de Biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons. À nos papillons. Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale. Puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. On fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal. Vous récupérez à 8h ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant joli comme expression, petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. L'effet papillon, merci Benabar, merci Renan Luce. La chanson secrète d'Isabelle Nanty, venez me rejoindre s'il vous plaît les amis. Il y avait du beau monde aussi. Dans l'écran, vous avez reconnu vos amis acteurs. Et les filles. Danny Boone a ouvert le bal. Incroyable. C'était notre façon. Mais comme c'est gentil. À nous de vous dire merci. Bonsoir messieurs. Tellement gentil. Bonsoir Nico. Et de vous dire que voilà, les artistes vous aiment. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai écouté ton disque cet après-midi. Ben voilà, je l'ai senti.
Alors, parlez-moi d'abord de la relation que vous avez avec Isabelle Nanty, les amis. Isabelle, dans mon cas, est une amie très proche. Ouais. Qui compte beaucoup, beaucoup dans ma vie. Vous avez travaillé aussi. Et on a travaillé ensemble, donc on se connaît professionnellement. Elle a beaucoup compté pour moi. Elle m'a beaucoup aidé. Comme dans votre parcours de comédien, d'acteur. Oui, et puis même son regard sur les chansons. Et puis après, dans notre vie, familialement, nous sommes très proches, tous les deux. Donc c'est une personne indispensable. Ouais, pareil. Pardon. Ouais. Alors Isabelle, nous nous sommes rencontrés sur l'aventure du conte musical Le Soldat Rose. Mm-hmm. Et depuis, elle a eu la gentillesse de venir faire offrir son œil extérieur sur un spectacle que je montais avec mon frère. Elle a ce talent, de savoir mettre le doigt avec son regard très plein d'humanité sur les petites choses à apporter et qui ont quand même beaucoup compté et qui ont du coup aussi débouché sur une jolie amitié et un grand respect et un grand plaisir. On a vraiment deux chouettes mecs. Mais vraiment, des personnes humaines incroyables. Deux chouettes mecs pour une super maman. Fidélissime. D'une très grande intelligence et gentillesse, humanité. L'applaudissement s'il vous plaît pour nos invités. C'était la chanson secrète d'Isabelle Nanty. Merci messieurs. Merci Romain. Merci Bruno. Génial. Merci. Applaudissements pour Isabelle Nanty, Bruno Benabar et Renan Luce. Salut. On m'a jamais fait de surprise comme ça. C'est pas vrai. C'est gênant. On va faire tous les jours. C'est très très gênant. Ça me touche énormément. Ils sont venus jusqu'à ici. Célébrer Isabelle, c'est un plaisir, c'est un privilège. Oh, c'est adorable. En tout cas, ça me touche énormément. Mais comme j'ai un peu un cœur de pierre, je n'ai pas pleuré. On a vu ça. Tu es un peu déçu. Je suis un peu déçu. Bah, fait des paris, d'ailleurs, tu me dois. Je pense que c'est.